Et bien yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'aventure sur le serveur Bilby. Aujourd'hui les gars, donc j'ai un petit peu avancé, pas de ouf, mais juste un petit peu. Donc, comme vous l'avez vu, alors non pas hier, parce que hier il y a eu l'obtention des 8 d'Ofuscawatt, mais avant-hier du coup je vous avais dit que j'avais commencé les 150 captures rats noirs. Et pour le moment j'en ai fait je crois 38. Peut-être 40. Du coup, il m'en reste encore un paquet. Hein, donc voilà. Donc Lenny qui vient d'up niveau... elle est où Lenny? Parce que je viens de la déconnecter. Voilà. Qui vient d'up niveau 140. C'est mon perso le plus HL. Parce que bon, il avait un peu plus de Sasa. Du coup, je l'ai déconnecté. C'était pour moi la mi-temps. Donc changement de joueur. Je déconnecte Lenny. Du coup, cette fois, je prends le Xelor. Fantastique. Et je lui ai mis un stuff sagesse. Énervé, regardez, hein, elle a quasiment 500 de sagesse, elle a quasiment 480 en fait, elle a 478 de sagesse, je suis pas par jour en hein, sagesse, autant vous le dire, et c'est vrai que niveau stuff, sagesse, je vous le montre rapidement, est-ce qu'il y a moyen de faire mieux sans forcément dépenser des millions? C'est pas un stuff qui coûte hyper cher, hein, Wari Wabit 40 Sasa, Cap du Prespic 32, Bâton Tonta 33, Amulet de la Boule 35, Ceinture du Rat 30, Bot, alors ça c'est le seul truc qui coûte cher, qui coûte environ 100 000 Kama, Bot d'apprentissage Over Sagesse plus 28, Anofedala 28, Alliance Inimel 28, et Dofus Kawat plus 49, et ça me donne un stuff plus 300, mais en tout, vu que l'Exel est full Sagesse, j'ai quasiment 500 de Sagesse. Bref, on va arrêter de blablater, j'ai juste un truc à vous montrer. J'ai acheté, crafté et fait, et j'ai également fait, je l'ai fait FM, le stuff du Hop. Donc voilà, j'ai le level, j'ai testé quelques combats avec ce stuff, il est monstrueux, je crois que j'ai environ plus 500, en tout je crois que j'ai 540 d'agi. Franchement, je balance déjà des épées CS presque à 400 pour un Yop niveau 108. Donc mes mules, comme vous pouvez voir, le Yop il est 108, le Panda il est 109, mon Kra 138, deuxième Kra 118. Et le Xel que je viens de connecter, 124. Bref, on va arrêter de blablater, on va faire quelques combats. Et puis c'est parti, Duke. Juste petite parenthèse, encore une fois, avant de lancer. J'ai mis le max de sagesse sur tous les persos. Même sur mon Kra mystique, son stuff avec Cap Eliaoud et Becky, ça donne pas de sagesse. Du coup, j'ai pris un chapeau Feudala que j'avais encore. Et l'ortise de l'Ozamoda. Pour gagner 62 sagesse free, mais je garde mes stats 630, pratiquement ouais, 630 d'intel. D'ailleurs, genre je vous le dis, maintenant c'est officiel, la vidéo de demain, je vous ferai une présentation de stuff. Voilà, parce que ça fait presque une semaine que je vous en parle, mais là j'ai tous les stuff, même le Xelor, il a son stuff agi, regardez, hein, il est ici. Voilà, le stuff agi, j'ai deux panoplies rats noirs over agi. Bref, voilà, bon, au pire, ça, je vous montrerai demain. J'ai même un petit Gélano Agi qui a été FM par Spunk. Bref, voilà, donc, tout ce qui est présentation de stuff, je vais vous montrer tout ça demain. Donc là, c'est parti, du coup, on va un petit peu pex. Et donc, pour cette session, bah, c'est des rabatteurs. Parce que la session d'avant, j'avais 38 captures, je crois. 38, je sais plus c'était quoi, d'ailleurs. Oui, c'était des rats de marée, etc. Donc voilà, donc le Yop. J'ai mis un semi-stuff sagesse parce que j'ai dû mettre le vrai stuff sur le Xel. Donc elle a 320 de sagesse. Le Panda, il a pratiquement 400. Le Xelor, il a 480. Le Kra, le deuxième Kra, donc Joystick, il a 350 de Sasa. Hein. Je n'ai pas mis son stuff combat. Le stuff combat, il est ici parce que je veux que mon Kra, il up. D'ailleurs, ma Dragoon qui donne maintenant 3 sagesse. Oh, c'est enfin, les gars. Shell Mystique. Par contre, regardez, j'ai pas de portée. J'ai l'impression que... Non, c'est bon. Donc là, je viens de connecter, regardez mon Xel hein, qui a... pratiquement 500 de sagesse. Bon, du coup, là, on a du double châle, c'est sympa. Et le Panda, dans quelques levels... Bon, le Panda, j'ai pas encore son stuff. En fait, à l'heure actuelle, les gars, j'ai 6 stuff combat. Donc, Krakra, Inioza, tous Feudala, Over Intel et tout. J'ai le stuff du Xel full agi, le stuff du Yop full agi. Et en fait, au moment où je vous parle, il me manque juste... comment dire...
Attendez, juste, je vais peut-être finir ce mob là. Il me manque juste deux stuff. Il me manque le stuff de limitrophe. Je parle pas des deux ennemis ici, hein. Je parle de limitrophe plastique, 119. Donc je vais le mettre en panneau AA, je pense. Et il me manque le stuff du pandawa que je n'ai pas. Tout le reste, j'ai. C'est pour ça que je vais me permettre de... vous faire la présentation demain. Sans les stuff du panda, tant pis. Je sais pas ce que je lui mettrai en attendant. D'ailleurs les gars, le pandawa qui a bientôt vu né level 6 incandescente. Donc ça c'est magique. Je vais pouvoir faire des grosses patates. Bon là vous allez voir, ça va être très rapide. Bon je mets du temps parce que je vous parle et je vous montre des trucs. Mais sinon c'est hyper méga rapide. Bien évidemment l'échec critique hein, allez, qui passe bien. Le Xel qui est ici. Le panda, est-ce qu'on va se casser la tête à vue? Ouais. Donc voilà, le petit panda, les gars, la team qui monte petit à petit, je suis content. Je tourne cette vidéo, les gars, vendredi 8 novembre. Je sais pas vous l'aurez quand, tout simplement. J'espère, très bientôt, que je vais pouvoir tourner des vidéos au jour le jour. Parce que moi, ça m'arrange pas, en fait, que je tourne des vidéos... Enfin, ça m'arrange et en même temps, ça m'arrange pas parce que, je vous explique, quand je tourne des vidéos trop en avance... bah en fait il y a des gens qui m'envoient des messages et qui me disent oui Joy t'as pas ci et ça, alors qu'en fait si vous voulez la vidéo date d'il y a une semaine facile. Et bah j'ai pas forcément les items ou les ressources en... Flèche explosive moins 810. On voit bien la même chose les gars, vous voyez bien le chat. Oh putain de merde. Je suis encore en panneau feu d'Allah sur un Kras 140. Ouais. Et alors, j'ai 630 Intel. Je rock sans doute plus que certains panneaux chez nous. Bon, ils ont sans doute des panneaux chez nous bien dégueulasses, mais... Allez, on va rusher ça. 630 d'Intel avec GNO, tout ça. Bon, de toute façon, je vous montrerai demain, encore une fois. Bon, j'ai tapé 800 à l'explosion. C'est la première fois que je tape autant. Bon, le mob, il a moins 30% feu. Le Kra est surboosté. Il a... j'ai aussi vu. Oh là là, damn, sérieux. Allez hop, ciao ciao. Le yop. De toute façon là je suis pas vraiment stuffé donc pas stuffé du tout. Je suis vraiment. En fait, pourquoi est-ce que. Attendez, attention. Ouais non, c'est parce que j'avais lancé un crit et là j'ai plus beaucoup de boost. Oui donc je voulais vous dire pourquoi est-ce que je maximise la sagesse sur tous mes persos. C'est simple parce qu'en fait quand je faisais le donjon rat noir. En fait, j'ai très vite remarqué que j'avais pas assez de sagesse en fait. Mon Kra, s'il avait plus de sasa, là il serait déjà sans doute 143. J'ai farmé tellement de donjons, mais c'est pour ça que là je peux me permettre voilà, de mettre un des Kra, un joystick à 350 de sasa quoi. Parce que de base il a pas beaucoup. Il a genre 160, tout comme le Kra mystique hein, qui avait je crois 140 à peine. Hein. Bon. Je suis bien en train de record, y a pas de soucis. Bon, je mets énormément de temps, je vous assure. D'habitude, ça part en mode 2 minutes. C'est du 4 minutes. Regardez, hein, le Xel là qui prend du 850 000. La Yopette qui up niveau 109. Donc la Yopette, alors... En fait, j'ai mis 80 d'agi, je pensais monter à 100. Je vais rien mettre en Vita, franchement, je comprends pas. Enfin, j'ai un Noza, j'ai de l'Eni, j'ai du Panda, je peux largement tanker. Donc j'ai mis 80 en agi, mais en fait après ça m'a demandé 5 points. Je me suis dit, ouais, laisse tomber. De toute façon, en vrai, je vais restat. Je vais me parcher au 100 agi, je mettrai tout le reste. Je sais pas, je mettrai peut-être 200 ou 300 en vita, je mettrai tout le reste en sagesse. Donc voilà, le Yop qui vient up 109. J'ai pas de sort en niveau 6 à monter. Les captures à noir, je sais pas en vrai. Je sais pas du tout si je vais les. Ok les gars, donc désolé, il y a eu un bug. Comme je vous l'ai dit, c'est le crash dont je vous parlais en fait. C'est-à-dire que j'ai lancé une autre capture et ça m'a fait crasher. Mais heureusement, je m'en suis rendu compte parce qu'il y a un petit grésillement bizarre. Du coup, bah j'ai pu relancer directement après. Donc là, c'est parti du coup. Après, c'est vrai que bon, jouer double crash, ça aurait été plus rapide pour moi en fait. Mais bon, après, c'est pas grave, hein. Mon Kra il balance vraiment des grosses patates quoi.
Surtout quand il est surboosté comme ça par les alliés. Et encore, mon Ozan n'est même pas connecté. Les nids pour les PA non plus. Les nids pour la cupie non plus. Je pense que quand j'irai farmer le donjon Shenmue, parce que ça arrivera très bientôt, il faudra le stuff Shenmue. Enfin, avant, il faudra que j'aille farmer quelques donjons AA pour crafter deux stuff AA, mais... je pense que ça va faire mal, hein. Ça va faire très mal. Ils font quand même quelques dégâts, hein, ces enfoirés de rats, là. Allez, allez, c'est parti. Regardez-moi ces zones, franchement, c'est free, quoi. C'est free, c'est free. Oh là 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 là, c'est parti, attention de l'explo. Ouais, non, mais là, on dépop tout, là. On dépop tout. Allez, mon crâne, même s'il est en mode sagesse ici, il peut faire quelques dégâts. Bon, j'ai un petit châle. Regardez là, ils sont quasiment tous morts. Le panda, il a même pas besoin de vu en vrai. Hein. Il a même pas besoin. Pourquoi se prendre la tête? Hop, le crâne qui balance des explos là. Pff, oh là 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 là. Ah, c'est vraiment des grosses claques hein, qui met le petit crâne. Bon, level 538, ça fait un peu chier. Mais bon. Ok, j'ai du double châle aise. Ah, c'est pas les rats, hein. Voilà, parfait. Mais sinon, voilà, hein, les gars, du coup, c'était juste une petite vidéo au calme. Je voulais surtout vous montrer mon staff sagesse, je vais pas vous mentir. Le staff sagesse de mon Xel, quoi, qui est vraiment... Putain, j'ai pas vu, y'a un rat qui est resté en vie. Chier. Voilà, hein, pratiquement 500 de sagesse, quoi. 500. Imaginez le délire. Ouais, là, j'ai 400, ouais, 478. Donc, bon, j'ai fait ce petit changement par rapport au... Aux Xel et les nids, parce que en fait, les nids, bon, niveau 140, c'est très bien. D'ailleurs, les nids dans 3 levels, du coup, j'ai accès à la panneau chez nous, mais ça sert à rien parce que je l'aurai pas maintenant. Il faut que je rush le donjon, mais avant ça, il faut vraiment que je stuff le panda, quoi. Et les nus aussi. Allez, allez, hop. Oh là là, la zone explo là, elle va faire mal. Attendez, c'est qui en dernier? C'est lui, bah, c'est parfait parce que là du coup j'ai une autre zone. Pff, oh, des explos à 600, au calme. Hop. Le petit Xel qui va passer, de toute façon le reste ça va être comme as. Alors c'est qui? C'est toujours le mec à droite, hein, là c'est ça. Ouais, d'accord. Bon normalement je le finis pas. Voilà. Encore un crit à flèche explo. oh non mais franchement c'est tellement rapide de façon crafeux, c'est... Ah, Jacob niveau 119. Faut que je monte œil de taupe, c'est ça, ouais, œil de taupe. En vrai il me le faudrait level 6, mais putain, ouais si normalement j'aurais assez. Nickel. Alors ça a pas bugué hein, comme tout à l'heure, nickel. En fait, j'ai l'impression que ça, mon logiciel Camtasia il crache en fait quand il y a trop de monde en arène. Je pense que c'est ça. C'est bizarre, hein, ça m'arrive jamais sur Dofus 2.53 et des fois il y a 10 fois plus de personnes. Mais c'est peut-être quand j'accepte le combat. Bon, a priori là ça va. Bon bah pas de chal. Bon bah écoutez les gars, ça va être la dernière capture du coup. Bon, je me booste toujours T1, enfin ça dépend, des fois je le fais, des fois je le fais pas, ça dépend des combats, ça dépend des châles notamment. Mais voilà. En tout cas vous êtes au courant un petit peu de mon avancée. Du coup, bon là je vais peut-être passer... Ouais non je vais pas passer. Je vais full vu, regardez-moi ça. Sur le rabatteur ça va être... Il y a déjà 30% de faiblesse quoi. En fait, je suis un peu perdu, je vous cache pas, par rapport aux pages en fait de mes personnages, parce que
Je change tout le temps en fait. Un coup je connecte Lenny, un coup c'est l'Osamoda, un coup c'est l'Enu, un coup c'est Xever. Je change constamment parce que je suis trop HL, tout simplement. C'est qui va crever là? En disant Xelor il va crever. Pourquoi il tape autant, sérieux? N'importe quoi ça. Ah d'accord, Raffu, ouais c'est eux qui les boostent. Putain, j'ai jamais tilté. Allez, petit tir critique. Pff, ouais, bah même pas besoin d'un tir. Même pas besoin d'un coup critique pour balancer du 500 à l'explo. Par contre, pas de châle, ça va être pas ouf. Hein, mais bon. On fait comme on peut. Allez, un petit crit, même pas. 500, toujours, sans crit, ok. Ah, 250 à la flèche glacée, c'est propre. En fait, quand j'aurai le staff Shenmue, mais ça va être. Le Rox, il va être vraiment monstrueux, par contre. Hein, parce que là, je vais encore le faire over. Justement, là, on me demande si j'ai des coiffes d'Ala. Salut. Pas pour le moment. Sorry. Bon, a priori, c'est déjà déco. J'espère que cette petite vidéo, les gars, informative, si je puis dire, vous a plu. Voilà, surtout la petite avancée. Et surtout le stuff du Xel en fait. Voilà, hein, pratiquement 500. En fait, je pense que le Xel maintenant, je vais. Le Xel qui est niveau 124, hein, bah oui, ça fait un bail que je l'ai pas pris. Je l'ai pris pour aucun donjon rat noir, j'ai tout le temps pris Lenny. C'est pour ça que Lenny, du coup, est niveau 140. Loza 130, ça va. Bon, Lenny 119, je m'en bats les couilles. Hein. Très clairement, Lenny, hein, rien à foutre. Je vais lui mettre une panne AA, j'ai limite jusqu'au niveau 200. Bon, c'est une blague, mais. Lenny, franchement. C'est le cadet de mes soucis, quoi. Il est là pour booster, pourquoi pas râler des PM, pourquoi pas taper un peu, hein, avec la panoa, il va taper. Mais Flénu, rien à péter, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment le cadet de mes soucis. Moi, les stuffs qui m'intéressent le plus à avoir de très beaux jets et tout, du Rox, c'est les deux Kras, Joystick Mystique. Ensuite, Artistique, pour du gros Rox aussi, la Yopette. Ensuite, on a les Niripsa aussi, hein, ça j'ai oublié, Panneau Shenmue. De toute façon, j'aurais 4 Panneau Shenmue à Craft. J'aurai un pour Joy, un pour Lenny, un pour l'autre Kra, un pour Loza. Et après, bah, on verra au feeling, voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite, les gars. Moi, du coup, bah, je vais full pex. J'espère up le Xelor le plus HL possible. J'espère, en fait, être... bon, niveau 142, je peux oublier. Mais 142, dévouement, c'est plus utile parce que on a une case en plus, en fait, autour de soi. Donc c'est vraiment top. Mais voilà, du coup les gars, sur ce, je vous laisse ici. Moi je vais continuer mes captures. Normalement mon Kra, bon là il est niveau combien mon Kra? 138. Je devrais atteindre sans doute le niveau 140 plus largement. Par contre regardez, hein, je suis déjà 373 millions. Ça commence à demander beaucoup de pecs. C'est Dieu ici qu'on se retrouve demain pour la présentation des stuff. Ciao. Bye bye.